Et c'est parti. Alors que Intello va commenter avec moi, ouais, du coup Calibur. Grand commentateur. Hein. Grand commentateur Intello. Yo, yo. Sixième mondial sur Donkey Kong 64, ouais. 64, c'est ça? Ouais, ouais. Quel homme. Sur Calibur, on change de jeu. Hein. Bah ouais, il faut. Hein. Moi je me suis mis à streamer, à organiser parce que bon voilà. Ouais, ouais. Perdu en finale avec Ivy. Ouais, puis Ivy est trop craqué, j'en avais marre de la jouer, tu vois. Grazella qui joue Apple. L'autière, hein, comme d'hab. Ouais, 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 toujours. Faut pas déconner un moment. Prendre des persos forts, hein, c'est bien. Bah oui, oui. Ok, bah ouais. Il a gagné le premier round. Justement, facilement. Pareil. Dina toujours avec Pyra. L'autre qui passe, parfait. Voilà, donc c'est un moment où on vibre un peu tout ça. Alors, Maxou, Khan, ben allez-y. Hein, les hôtels, c'est toujours bien. Le tournoi, on verra, mais les hôtels, c'est toujours bien. So Wolf, we don't know really yet. I guess French players will go, but but I don't think anyone subscribed yet, registered at the tournament. Maybe they are waiting for prizes or players. I don't know. Allez, Raziel qui prend l'avantage de round 1. Ça casse les jambes, ça casse les jambes. Et ça fait que poker. Je crois qu'il limite un peu Kiv là, en faisant des 2A à 2K. Il zone beaucoup. Hein. Pyra, c'est un peu ses défauts et elle a du mal à approcher les versos qu'il peut donner. Ah, il a pas abusé de la TP. Ouh, bon à la relever, ça respecte pas, et la CE qui va tuer, enfin, il fait le combo derrière, voilà. Très bien joué de la part de Raziel. Alors que qui, ouais, voilà. Hey Kalas, how are you? T'as pas un truc pour mettre un pins par dessus pour qu'il reste tout le temps au-dessus sur la fenêtre? Tu sais, moi j'ai un truc où. Ouais, j'ai un truc pour le mettre toujours en priorité en fait. Même si je passe un truc. Non, le. Ouais, le panel, comme ça il passe jamais en dessous en fait. D'accord, ok. En fait, il y a une autre chose dans le panel pour faire ça. Ah, d'accord, ok, nice. Battle 1, fight. No coaching, ça existe pas en France, mec. La chope qui est déchopée, bien joué. Silhouette. Alors c'est toi qui connais un peu mieux Un tout petit peu mieux alors hein. Non mais c'est bon, hein, tu vois, il fait un coup d'épée, le coup d'épée c'est bon hein, ouais, pas de soucis hein. Ouais, il fait des coups d'eau. Ouh, le 2-3-6B qui touche Max Range. Ah là, mais les deux joueurs, mais alors Raziel et Dina, ce sont des joueurs qui jouent sale mais alors au possible. Hein. Ouais, j'ai du mal, je t'avoue que même alors, en vrai, je vais commenter un petit peu. Mais tu peux raconter ta vie sinon hein. Ouais, tu vois, on peut parler de la JDQ, tout ça, y'a pas de soucis hein. C'est un peu comme le jeu de combat, tu mets des boutons, tu vois, ce truc, tu vois. Ouais. Tu perds. Alors comment tu gagnes dans un speedrun? Ah bah tu appuies sur les boutons, ouais. Tu passes raté, sinon après c'est bah tu meurs, tu tombes dans le vide comme dans un peu dur. Tu fais ça rapidement, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que là il y a un timer, tu prends le temps, faut que tu passes. Ah non, tu vas aller vite, c'est très vite. Donc voilà. Et tu fais que du Monkey Kong toi? Non. Lui, excuse-moi. D'accord, Zelda, ok, d'accord. Avec ton accent magnifique, j'ai pas réussi à comprendre. Yes, we see that very well. I know. Non, franchement, c'est sale quand même, hein, ce match. Ouais, un petit peu. Bah, le match-up est horrible. Kira peut pas faire grand-chose. Ah, totalement. Ouais, oui. Alors, Pyra n'a pas de dégâts. Donc, elle a pas de dégâts face à Algol. Elle peut pas zoner. Et du coup, ouais, énormément. Ouais, enfin niveau déplacement, elle est un peu, elle est pas super, le pire. Elle est pas mauvaise, mais elle est pas super. C'est ça, ouais. Et elle peut pas avancer. Et enfin, ouais, mais en général, il tue avant. Ouais. Bah,
Bah, c'est une pression supplémentaire, mais sinon il va mourir avant, voilà, clairement. Il peut pas vraiment. Elle peut pas rivaliser quoi. Ça fait 2-0 pour Raziel. Ouais, ça fait 2-0 pour Raziel. Donc il y a deux spectateurs, hein. Il y a énormément de monde. Pour la salle qu'on a, c'est cool. Hein. C'est chez Deus. Merci à Deus. Ouais, bien joué. Qui a mis deux sacs poches. Joueur aussi, hein, qui ont sorti. À la cagnotte. Je crois qu'il est dans les 200 euros à gagner pour le premier. Ouais, ouais. En plus de la coupe. Ouais, de la coupe. Un buffet à volonté, mais limité. Ah ouais, hein. Parce que bon, les moyens sont limités. Je viens de voir un mec, on aurait dit Asenka, mais en noir. Un mec de la résidence de Deus, c'était énorme. On aurait dit Asenka en noir. Il a les mêmes cheveux, la même barbe un petit peu. Et le même peu le même visage. Dommage que tu l'as pas vu. Il reste un petit peu là, non? Non, un mec qui vient de sortir là. D'accord, moi j'ai pas vu dans ce cas. Alors que le match suit son cours normalement. Je pense que. C'est quoi, tu le mets dans 5K sans doute? Sûrement, quand il veut pas être reconnu, il se met en noir et puis hop. Je qui passe ça. Mec, je te promets, c'était. C'est trop lui, il est repassé là. C'est trop lui, mec. Tu peux le rappeler? Ouais, on va le filmer tout à l'heure. Il a fait une interview de SNK en noir. Ah mais il y a Sasayel, il y a Maxou, il y a Galas. Il y en a deux. Il y a 32 viewers. On va faire péter les CPM là. C'est fou. Ça c'est les tweets. Hein. C'est les tweets, ça tout d'un coup. On a presque que quadruplé le x10 les viewers. C'est incroyable. Maintenant on base de 1, on quadruple, puis on quadruple, puis on lisse, on dit que tu peux. Sans lancer plusieurs fenêtres tu vois, pour faire monter le compteur. Ah non, nous on fait pas ça. Ah hein. Nous on n'est pas Eclipsia, on ne citera pas de nom de Web TV connue française. Non, on ne citera pas au gaming. Je ne sais pas s'ils font ça, je ne sais pas. Non. Ils auraient sûrement le stream donc. Petit combo qui va faire mal là. C'est réglo, alors voilà, les dégâts c'est réglo hein. Vous inquiétez pas, bon il était mort mais c'est pas grave. Et voilà, c'est 6B. Alors c'est tout à fait normal hein. Il avait l'avantage, il avait genre toute la barre de vie, il est mort. Mais ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est Algol. En même temps, pourquoi faire en sorte que Algol soit mort? C'est vrai, il aurait dû le tuer avant. Ouais, je suis d'accord. Moi je pense qu'il faut en fait que Algol ne gagne pas de barre tout court dans le jeu. Ouais, comme c'est un boss. T'es d'accord Happy hein? Ouais, Happy il est d'accord. Ouais, en fait il commence avec deux barres et après en fait au fur et à mesure du timer il perd de la barre. Comme ça si tu zones et hop il peut plus rien faire. On t'entend pas mais c'est pas grave. Mais Happy, viens commenter avec moi Happy. Happy il est timide là. Allez viens. En plus il est pas comme moi, il appuie sur le bouton mais il sait ce qu'il fait donc pour raser. Combien? 2-1. Il y a 2-1 pour Raziel, d'accord. Ce serait marrant. Et dernier match. Oh! Ah oui, mais totalement. Mais t'aimes bien ce qui est sale quand même, toi. T'aimes bien ce qui est sale. Mais je le commande, tu vois. Je le savoure. Ah, tu nourris de ce quack. Hey, Maxou il a fait un bon choix, il a gagné, hein. il a raison, moi je vois pas où est le problème. Pourquoi on devrait faire 8 main games d'affilée et gagner 8 main games pour gagner? Mais non voyons, mais non. On est plus à sous 4, faut arrêter, hein. Mid ou low, ça te va? Ouais mais les shots d'Algol sont pas super. Il préfère faire un 3-3B par exemple ou un 4-4B. Donc C'est vrai. Ça force le mec à se baisser pour prendre ses 4-4B. Bien joué. Ah il fait des dégâts. Non je crois que tu perds le contrôle. Mais ça doit être à la IV quoi, il y a un air control à faire et si tu le rates voilà. Allez on met la CE. 180. Merci d'avoir pris la barre. Il tombe
Ah bien joué. Ouais, incroyable. Elle va faire 3 bons choix pour faire un bon choix à la gueule, quoi. Ouais. Yeah, bien joué, Dina qui revient bien. Hein. J'ai, ouais, carrément. Alors il y a deux partout, il paraît là. Non, c'est bien, faut pas lâcher. Hein. Ne lâche pas. Grazel qui est soutenu par un gobelet et des cartons. Le gobelet est important. Ouais, ouais. Les directives. Ah oui. Roche B, pardon, c'est pas le bon jeu. Je pense qu'il attendait que Dina anticipe une chop et donc se baisse pour faire un launcher. C'est un petit délai pour provoquer une réaction inverse. Il n'y a pas de loser, non, c'est du 5 play lim. Vous pouvez voir les brackets dans le titre du stream. Voilà, bien joué. 3 kicks. Ça tue. Alors qu'il y a un Joe Lives qui est en train de se jouer. Ça a l'air serré. Lives a l'air concentré. Il a l'air. En fait, il pense au poulet qu'il va manger tout à l'heure. Ouais, ouais. Il est serein, quoi. Il est serein. D'ailleurs, Happy, comment tu sens ton match tout à l'heure contre Kiv? Ça reste possible. Tu le bourres? Hier, alors tu menais 2-0 et puis tu t'es fait remonter. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux nous en dire un peu plus? En fait, non, c'est pas ça. Mentalement, c'est pas ça le plus mal. Déjà, j'ai pris beaucoup de bêtises à partir de 2-0. Là, je prends un 3-AA. Ouais, c'est vrai, le ring out là, ça fait mal. Le ring. Je prends ça, derrière, je prends un. En fait, je suis 2 4 6 6 6 6 6 6 Ouais, c'est vrai, ouais. Je prends ça, je perds un route sur ça, je perds un route sur un ring-out. Derrière, ma CE passe en juste garde. Là, je prends ça bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je suis, mais j'arrive pas à faire la différence, là. Ouais. D'ailleurs, j'ai fait très peu de bons choix. Ouais, il a commencé à faire tous les bons choix et à partir de là, toi, t'as fait les mauvais, du coup. Et mentalement, ça fait mal, quoi. C'est lui qui fait les bons choix, c'est nous aussi qui font les bons choix. Ouais, exactement, ouais. Après, enfin, il te force aussi à faire des mauvais choix. Il y a ça, avec l'accumulation de matchs, des mind games. En fort. Au début, je voyais pas ses shots, mais j'arrivais à jouer ses shots. Alors, moi, j'ai une théorie. Une théorie, c'est le loto. Le loto, ouais, le loto. Bah, c'est. Bah, de toute façon, c'était du pif. Ça me disait pas, les mind games, tout ça. Mais en fait, bizarrement, tu venais te faire défoncer par Raziel, et moi je me suis dit mentalement il va être au fond, et au contraire, t'avais l'air très bien. T'avais l'air revanchard en fait au début de match contre Kiv. C'est un peu ton idole. C'est un peu ton idole. Non, mais ça fait toujours plaisir. Attends, tu insinues là que Kaisona est bon. Tu insinues que Kaisona est bon en fait. Non, mais non, voyons. Restons. Kaisona que t'as battu. C'est juste pour vous dire que de l'autre côté, on a Joe contre Life et on est à deux partout. Voilà. Ah, c'est serré, tous les matchs sont serrés. Lancez vos paris qui battent dans le chat. Un peu comme le cul de cinéphile. Ah non? Oui. Ah je sais pas. Voilà, peut-être il confirme. Il a dit oui, hein, il confirme. Moins, hein. Ouais, tu confirmes, t'as confirmé. Donc le pari où t'es là, hein. Life ou Joe? Toi, tu dirais qui? Alors attends. Moi, je dirais. Ouais, pareil. Je dirais Joe aussi. Ouais, parce que sinon ça serait pas kebab. Bah ouais. Le poulet, tu vois. Bah ouais. J'aime le poulet aussi. Mais dans ce cas-ci, tu peux perdre. Mais je mange plus de kebab. C'est de la merde. Ah ouais, je fais une overdose. Mais. J'ai fait une overdose de kebab. Ton kebab tue le kebab. Ah ouais, je suis d'accord. Tu disais à tout. Ouais. Joe, vraiment. Il parle de Joe là. Bah vraiment, il gère très très bien. Pour un Nightmare, il gère très très bien son matchup Nightmare. C'est vraiment, c'est assez impressionnant.
Juste le dernier défi contre Rocky, contre Jason, là, il faisait du free play, il s'était vraiment ultra serré. Hier son match contre Jason, pareil, hein, ça s'est fini à 3-2 dernier round. Donc je pense qu'il a largement ses chances. C'est vrai. C'est pas forcément très rigolo. C'est marrant, ce match-up. C'est assez marrant. Un très grand joueur, ouais. Ouais, très grand joueur. De gros, les deux mêlés. Très joueur, ça. Ouais. Du calibre. C'est pas trop close, quoi. 6B, quoi. Voilà, quoi. Ça fait le travail. Puis des relevés B. Ça court un peu. C'est ce qu'on veut. Alors que le match suit son cours tranquillement. Rindel qui apparemment. C'est pas plus gros à la base ce qu'il a fait. Le trône. Tu veux dire le trône et après les avant le trône justement quand il lance. C'est bien, quand même, c'est un bon jour, Panto. C'est dur de se concentrer sur le match. Ah, mais écoute, voilà, il y a un parfait, c'est parfait. Bah ouais. On dit parfois quand c'est pas parfait, c'est excellent. Mais pas ici, pardon. On est pas à Blaze Blue ou à DOA. Faut arrêter un télo. La drogue, c'est mal. C'est mal. Ça met à peu près. On sait d'où vont les millions de la GDQ. Hein. Ah bah ouais. Hein, la cocaïne. Hein. Et pas que. La cocaïne au rap. Ouh. Ça s'est pas relevé. Bien joué. Il évite le tech trap. Un kick. Ouais, il finit mal un peu, Pierre. Les coups importants, Pierre. Mais il peut jouer en étant lancé. C'est un peu chaud pour Raziel, hein. Lui qui menait. Alors, j'ai l'impression qu'Happy veut commenter, mais il a peur de prendre le micro. Si tu veux commenter, non, mais il nous parle à mais Happy veut commenter, après il fait timide. Il nous parle, non, il nous parle bon, comme s'il commentait le match, mais il veut pas commenter. Alors que nous, on sait pas quoi dire, quoi. On est là, on voit des explosions, de la lumière, des gens qui meurent, d'autres qui survivent. Donc, parfois, il meurt tous les deux quand il y a des drones. Oui, des fois, c'est vrai. Mais c'est rare. Ouais, c'est rare. Mais c'est pour spectacle. Bien joué. Ça relève vite. Oh, ça passe. Alors, ce PC contre Pierre, c'est pas forcément une bonne option parce que bah, elle a pas beaucoup de. Ses lots sont pas super. Et ses chops pas non plus super. Ouh, bien joué. Oh, le truc a pas touché, mais ça tue. Non, mais c'est le pouvoir du roi. Tu peux pas contrer ça. Non, mais ça. Alors, il y a 8-6 pour Dina. Il y a 8-6 pour Dina. Bravo. On peut voir Dina concentrée. Donc Raziel qui apprend un peu du moral parce qu'il s'est un peu fait beat by 3 quand même. Oh le bâtard. T'es un mec comme ça toi. Ah bah oui, il gagne 2 fois, après il prend 3 dans les dents, c'est difficile. Donc là c'est bien, il prend un peu du poil de la bête. Le moral qui revient, toujours les conseils du gobelet en fond. Ouais, le très important. Ouais, il est important, décisif, ouais. La victoire, décisif. Ça prend un 1 nature. Ah bah il est bloqué, punition de 3-6B. Alors je sais pas pourquoi il utilise autant le 1A Raziel. Le unsafe. Ouais, bah je pense. C'est peut-être pour justement pas avoir la trompe, tu vois. D'accord, oui. Parce qu'avant, d'accord. Quand t'es trop propre, l'autre trompe pas gris, tu vois, finalement. Ouais, du coup il va se dire putain c'est un sac, tu peux faire n'importe quoi. Ah non, c'est le main game dans le main game, tu vois, c'est-à-dire qu'il sait qu'en face il est fort, que s'il joue proprement, il va jouer propre. Et donc il fait n'importe quoi pour essayer de le déstabiliser. Et donc non, il joue très bien, et à un moment paf, n'importe quoi. Comme ça, il sait pas quand le n'importe quoi va tomber et Dina va tenter de choper le n'importe quoi. D'accord. Mais en fait, non, tu vois. C'est. Je comprends pourquoi t'as été joué à Soul en fait. Ouais. Ah oui, non, jamais. Hein. Des choses. Ah bien, je tech trap. J'ai une question à de B. Pourquoi le 1 là ? Eh bah écoute, c'est une question que je me pose moi-même. Non, je pense qu'en fait, c'est purement pour essayer de prendre un backdash ou un step, ouais. Mais là, dans ce cas-là, il a fait beaucoup trop près. C'est combien déjà Moins tu te fais punir. D'accord. Voilà. Il faut prendre combien pour le dégommer Oh, mais il doit être à moins 20, moins 21, ouais. Donc tu peux faire. Elle fait facilement le 3-6B. Je vous passe. En fait, c'est pas la garde, c'est de 3-6B, c'est rien de tout ça. Ouais, c'est ça. Y'a pas de rendez-vous. Avec Pierre, non. Donc, comme tu disais tout à l'heure, tu comprenais pas pourquoi en fait il marche sur Pierre. En fait, c'est juste pour provoquer une réaction. D'accord. Donc là, il a fait pas, enfin, une course, délai, et il a fait 3B. D'accord. C'était pour tenter justement que Pyra, que Dina, oh non, counter, ou tout simplement que Dina se baisse en croyant à une chop. Voilà. C'est des délais pour provoquer des réactions adverses. Là, je crois qu'il. Bien joué. Le 2 kick qui évite le 6-6A là.
Oh, bien joué, Dinar qui fait les bons choix. Ça va faire très mal, ça va faire très très mal ça. Aïe aïe aïe. Il a un petit peu tué, je crois. Oh là 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 là. Ça fait très très mal. C'était mytho le dernier, il me semble, hein, ouais. Ah, que les personnages féminins? Pas tous en fait. Ça les petites quoi. D'accord. D'accord, ok. Tu veux toujours pas venir commenter, ouais, Happy, hein. Non, non, t'as pas de couilles, hein. Aucune, zéro couille. T'es bien à cause d'un Ostra. Ah, oh. Fired, proper. On peut rajouter une chaise. Ouais. On peut rajouter une chaise, ouais. Si tu veux, hein. Si Happy a peur de ça. Alors que Lives et Joe, ça fonctionne toujours. Non, mais lui, il est concentré sur le match de Lives. Ah, je vois ça, ouais. Il est concentré. Chio, viens commenter avec nous. Viens. Hey Chio là. Non mais fais pas de geste, tu peux parler, on t'entend pas dans le micro. Hein. Par contre, on voit la caméra. Après. Oui. Dis lui qu'on voit la caméra. On voit la caméra, Chio. On voit la caméra là. Ouais, on voit la caméra. Disgusting. C'est chaud. That's Algol. You love that. Allez, assieds-toi mon petit Happy. Voilà. Toi tu peux commenter, vas-y. Alors Happy, commente. Voilà, Happy qui me rejoint. Allez, n'aie pas peur. Tu as passé ton bac, c'est bon quoi. Merde. Donc tu passeras ton bac l'année prochaine, c'est bon. Cette année. D'accord, je suis perdu. Ouais, c'est clair. Ouais, un peu, ouais, c'est vrai. C'était un pif. Ouais. Pour choper les bagages, les... C'est ça. Là, c'est un joueur à l'ancienne, à l'instinct. Celui, s'il pense que ça va passer, il le fait, il hésite pas. Là, je suis toujours surpris du choix de perso de Dina en fait. Parce qu'il joue les deux, il joue Pirate, Pyro Omega. Il aime bien ce qui est safe en fait. Ouais, bah ouais, mais bon. Il aime bien avoir des options pour tout casser et après te faire chier. C'est pour ça que le Juste Garde, c'est un très bon choix contre Dina. Parce qu'il y a beaucoup joué au AA, BB et quand tu commences à finir, même son AA et son BB. Ça perturbe vraiment son plan de jeu. Je sais pas si tu n'étais pas là à l'époque de Soul Cat. À l'époque de Soul Cat, il y avait des matchs d'anthologie entre Dina et Eggmaster. Eggmaster, j'en avais pas. J'avais vu son dossier sur Cassandra. Ouais. Non, pour dire un peu, je sais pas, tu vas pas connaître Eggmaster, c'est un mec. Il jouait Cassandra en mode AABB et il punissait tout. C'est bon ça. Donc t'imagines le match entre Dina, donc qui jouait Sophicia, qui faisait AABB qui punissait tout. Et entre Eggmaster, ouais. AABB, qui punissait tout. Genre c'est du time up. Alors personne n'a regardé ces matchs là. Hein, tu m'étonnes. T'avais Dina Eggmaster dans un coin et puis t'avais l'autre match. Et tout le monde regardait l'autre match. C'est toujours. D'ailleurs, Dina, c'est un rare joueur à violer la barre de garde au bébé. Ouais. C'est pas beau. Non. C'est... Ça casse en 20, c'est mais lui il casse la barre c'est avec bébé. Hein. Il t'en met même c'est plus. C'est vraiment impressionnant. Il arrive à la foutre dans le rouge avec bébé. Ouh, il a fait le mauvais choix là, Angel. C'est un match très très chaud, 4-4. Hein. Ça va vraiment jouer à la. Au poil de cul. Comme dirait je ne sais pas qui. Alors qu'il y a encore un débat Maxou Pantocrator qui est sur le chat. Je ne sais pas, mais vu que c'est un débat Maxou Pantocrator, ouais, on n'a pas besoin pas de demander. Quoi. On s'en fiche un peu, j'ai envie de dire. Personne qui coach Razel. Ah si, il y a Gohan quand même. Non, Gohan est là pour faire figurant. Ouais. D'accord, il est là pour faire genre, ouais, on le soutient. Ouais, mais voilà, on je suis là avec toi, t'inquiète. Joe a gagné 5-3 face à Lives. Donc, un télo me doit un kebab. Putain, j'étais sûr. Un télo me doit un kebab. Il est de plus en plus propre. Ah bah, Joe a gagné. Donc, kebab pour moi. Il a vraiment progressé. On a parié, c'est tout. J'ai les preuves encodées. J'ai les preuves encodées. Tout est enregistré. Ouais, mais tu. C'est vrai, c'est vrai. Mais ils sont où les gros? Parce que moi, on m'avait dit que quand même, Razel était dans une team et tout, plein de gros. Ah oui, les gros grognants, non? Grognants. Je sais même plus c'est quoi le. Si, dans les grognards, il y a Gohan. Il y a Gohan qui vient de faire d'ailleurs contre. Ah, donc il parle bien les grognards pour l'instant. Alors, où est Pantocrator? Un sacon contre Kezona. Et pourquoi il passe pas sur le stream Sakan Kaisona? C'est vrai, non mais on s'en bat les couilles. Hein. Mais genre moi contre qui c'est plus intéressant que Sakan Kaisona? Ouais. D'accord. Moi okay. Je suis d'accord. Hein. C'est vrai qu'il y a moins d'écart de niveau.
Non mais au moins c'est un match rapide sur stream, tu vois, ça change les deux matchs qu'on a eu là. C'est pas faux, c'est... ouais c'est vrai. C'est chiant des fois les matchs le long, t'attends ouais, et tout. Là au moins tu vois, hop, hop, 1, 2, 1, 2, 3. Et puis c'est quand même Happy champion du Nord hein, qui a tué Raziel sur ses propres territoires. Hier, Raziel m'a démoli quand même. Hein. Il a violé, hein. Il a retourné comme petit cul. Ouais, c'était pas très propre. Hein. T'as gagné des rounds ? Récemment ouais, ouais. Gagné un tournoi en ligne dans l'ombre de tout le monde d'ailleurs. Ah, ah, j'ai pas les dossiers. Les dossiers. Un free play, un fight play, un petit comme ça. Non, c'était un tournoi organisé par un, je sais pas, un joueur qui avait réuni la communauté. Enfin, des joueurs bien. Enfin, y avait pas. Ah, tu es partisan. Mais non, c'était Meidros. Je sais pas si tu connais. Non. Donc il y avait Olika. Non, il y avait Asodimaze. Oh oui. Oui. Ah, j'ai jamais dit qu'il y avait des gens très 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 forts. Hein, mais, Ce que t'es en train de dire, c'est qu'ils étaient tous forts. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y avait pas de, de gros gros noms quoi. Par rapport à un tournoi comme l'Europe là. Ah, mais Maxou est tout le temps choqué de toute façon. Ouais, du mi-tire, parce que ça se disait quand même, c'est un bon. Ouh là. Dina qui va mettre sortir le finaliste d'Europe. Enfin voilà. J'ai envie de dire, à gold de barre, il suffit qu'il gagne un round. Une touche et c'est bon quoi. On voit bien que Gina il step énormément dans ce match. Il saute beaucoup là, il a beaucoup sauté dans ce dernier round parce qu'il sait que s'il touche en l'air, il peut pas faire grand chose. Si c'est B counter, mais non, ça va pas faire counter. B6 en fait, qui touche. Son B8 pardon. Ah oui, mais. S'il touche en l'air, garantie 6-6B. Faut vouloir le faire quand même le. Oh mais bon, s'il saute à l'infini. Là, c'est chaud. Oh, ah ça rate. Oh c'est chaud. Ah il a gagné là. Non. Voilà. C'est chaud. Un match, c'est le moment crucial. Mais non, non, ça va punir ça. Algol sans barre, on m'a dit que c'était. Ah, Algol, il n'y a qu'une seule barre, ça va être très très chaud. La puni, là ça va devenir encore plus crade. Maxou, ferme les yeux. Oh. Ça va être dégueulasse. Raziel tente les arnaques. Raziel n'est pas bien. La chope de côté qui fait pas bien du tout. Le kick. Non mais il sert à rien, le goal s'en barre, on va dire que c'est fini. Non. Le par. Non. Oh là là. Oh là là. Allez c'est parti. Et la montée. Le mix up. C'est 6 kicks. Oh, oh très bien. C'était très très propre. Bébé. Oh bien joué les bébés. Dina qui l'emporte. 5-4. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Bon bah Happy, arrête, lâche le micro et c'est parti là. Donc très beau match. Très très beau match. Mais moi je le match là après. Happy qui essaie de fuir, je ne sais pas pourquoi. Allez Deus, allez commenter. Est-ce que ça t'embête si je commente le prochain match avec mon frère de couleur? Ça m'embête un peu, ouais. C'est dommage. Ça m'embête beaucoup même. Beaucoup. Ouais, ça m'embête beaucoup. Ça dépend combien tu payes. On verra ça après. Alors, je crois que c'est Happy de jouer. Donc Happy là il est en train de un peu de chier dans son froc. Happy remplit son vodka cola.